Alors, je suis José de Freitas, président du comité d'organisation des internationaux de gymnastique rythmique de Thiers, papa d'ancienne gymnastique du club et ancien membre du club du comité directeur du club de Thiers GRS. Alors, je suis comme 11 autres personnes membres du comité directeur de ce comité d'organisation. Donc notre rôle, c'est pendant une année préparer l'événement qui a lieu en règle générale la dernière semaine de mars. Donc c'est préparer avec la directrice technique, donc Diana Tabakova, de préparer le programme. Et donc au sein du comité directeur avec les 11 autres personnes, notre objectif et notre rôle durant une année, c'est d'arrêter le programme et de travailler avec les services de la ville, bien évidemment, services des sports, l'ensemble des services techniques pour la préparation de cet événement qui a lieu en général donc le dernier week-end de mars. On est à la 30e édition. Au niveau des membres du comité, il y en a qui sont là depuis très très longtemps. On est une équipe et ça fonctionne parce que justement on est une équipe. Alors l'objectif, c'est, voyez, aujourd'hui on est le 27 mars, donc là on va souffler, on va faire une réunion de bilan dans quelques semaines pour tirer le positif, mais surtout pour voir là où ça a pêché, où il va falloir refaire des ajustements. Donc pendant le travail, c'est pendant une année, donc on arrête le programme et puis on invite les fédérations, on est en relation avec les différentes fédérations, on arrête le programme au niveau des ensembles, lui nous est imposé par le règlement de la FIG, donc les engins, c'est pas nous qui les choisissons, ça fait partie du calendrier de la Fédération Internationale de Gymnastique. Nous, ce qu'on fait autour, c'est comme on a fait aujourd'hui, par exemple, événement exceptionnel, est-ce qu'on change, est-ce qu'on rajoute quelque chose, voilà. Cette année, c'est vrai que c'était un petit peu spécial. On avait le comité d'organisation normal et on avait en parallèle un comité d'organisation de l'événement des 30 ans, donc toutes les petites surprises que le public n'avait pas l'habitude de voir. Donc ça a été monté, le flash mob, le film, les différents hommages, tout ça, ça a été mis en place par un comité en dehors du comité d'organisation avec des jeunes filles du club. Donc c'est les gymnastes, parce que c'est ça aussi le futur, c'est que nous aujourd'hui on est là depuis très longtemps, mais il va falloir aussi assurer la relève, hein, et voilà. Et donc toutes les idées, alors pour les 30 ans, ce qui s'est passé, c'est qu'on leur a demandé de se lâcher, on leur a dit faites-nous des suggestions, faites-nous des propositions et on va les budgétiser derrière, parce que ça a beau être très joli, mais tout ça, ça a un coût. Donc il fallait que ça rentre aussi dans une enveloppe budgétaire qui nous est allouée, et donc voilà. Et je pense que le public, excusez-moi, je suis très ému, parce que la surprise de ce soir là avec les anciennes gymnastes du club que finalement on a vu grandir et qui sont maintenant à nos côtés, Julie par exemple, ce qui fait très drôle, c'est de les voir maintenant maman. Donc là, voilà, on se dit que la relève est là, donc c'est plutôt pas mal. Alors au premier chef, l'organisateur, parce que quand on dit que comme c'est organisateur, évidemment, nous on s'occupe de tous les aspects logistiques, mais l'organisateur, c'est la ville qui met à disposition les infrastructures, les services, puis une partie du financement. Les partenaires, c'est évident qu'ils sont nécessaires, parce que au niveau du cahier des charges, on prend en responsabilité financière un certain nombre de choses. Donc bien évidemment, tout ça, faut le financer. C'est pas financé uniquement par le prix des entrées, donc on a des partenaires institutionnels, donc la mairie de Thiers, alors qui n'est pas un partenaire parce qu'elle est organisatrice, mais en termes de partenariat financier ou de d'apport financier, la ville évidemment. Ensuite on a des partenaires institutionnels comme le conseil départemental ou le conseil régional d'Île-de-France, et puis après ce qu'on appelle des partenaires commerciaux qui financent soit en avantage en nature, on prend l'exemple de Decathlon, ces villages qui tous les bénévoles aujourd'hui, il y avait une polaire noire, cette polaire elle est offerte par le prestataire, le partenaire. Novotel Orly-Ringis, qui évidemment on a un super partenariat, parce que derrière il faut on a accueilli près de 400 personnes, donc ces 400 personnes il faut les loger, il faut en plus il faut respecter un cahier des charges particulier, parce qu'on peut pas les mettre au Formule 1, ce serait trop simple, financièrement ce serait facile, mais au plan de la notoriété de l'événement, ça le fait pas. On a eu cette année un nouveau partenaire, donc la société Socateb qui nous a aidé aussi financièrement. Je ne veux pas en oublier le garage Beck qui cette année a participé à la prise en charge du buffet pour les bénévoles, parce que aussi notre reconnaissance elle est là aussi, parce que encore une fois on est une équipe, on est 12 permanents, mais sans les 130 personnes autour de nous on serait incapable de le faire. Alors, moi je suis dans l'organisation depuis une quinzaine d'années, ancien parent de gymnaste du club. Je pense que le succès de cet événement il tient à la qualité de la prestation
sur scène, c'est-à-dire qu'en fait on est la seule compétition en gymnastique rythmique qui est en fait sublimée. C'est plus du sport, c'est du spectacle. Les spectateurs sont dans le noir, la gymnaste ou les gymnastes pour les groupes sont dans la lumière et ça dépasse le sport, ça devient du spectacle. Donc ça, et j'espère que ça continuera de nombreuses années, que ça puisse donner un nouvel élan à la rythmique en France. On est quand même le plateau de ce week-end sur Thiès a prouvé que l'organisation de Thiès avait un label, alors s'il fallait trouver un ISO quelque chose, ce serait l'ISO de la GR, parce que honnêtement, on a eu le plateau mondial le plus invraisemblable. Au niveau des ensembles, 15 ensembles, pour information, le championnat d'Europe des ensembles qui se tiendra en Israël au mois de juin, ils avaient 17 ensembles, on en a 15, donc c'était un petit championnat d'Europe à nous tout seuls. Et encore une fois, merci à l'ensemble des bénévoles, merci au service de la ville avec qui on travaille aussi en équipe, et le fait depuis 30 ans, bah oui, il y a des gens avec qui on travaille depuis très longtemps, on se connaît bien, on essaye d'anticiper, et notre devise dans le comité, c'est un problème, une solution. Merci à tout le monde. We'll be right back.